tu fais quand tu travailles avec la gueule de bois et que tu dois aller bosser? Quand je dois aller bosser? Putain, ça c'est moche. Hein. Ah, tu souffres? Ah bah c'était un peu le cas ce matin. Ouais. Alors la première chose que je fais, alors... Tu te lèves le matin, c'est horrible. T'es très tiers, ta peau est sèche. Je me prends les pieds dans mes cernes. Limite tu pleures, t'as pas envie, tu fais non, faut que j'y aille, le devoir, tu vois. Ah oui, on peut pas sécher le boulot pour une gueule de bois, parce qu'on est tenu de donner le meilleur de nous-mêmes à notre patron. Trop bourré, je viens pas, je m'en bats les couilles, quoi. Il dit que je suis malade, et que j'irai chez le médecin, et je vais pas chez le médecin. J'envoie un texto. Ouais. Et après, on étouffe l'affaire. Hein. Et ton remède miracle, contre la gueule de bois, ta petite recette de grand-mère, quoi. Eh ben... Ça dépend de ce que t'as bu, ça dépend de ce que t'as fait, ça dépend dans quel sens t'as mélangé. On va dire un gros café, un petit déj, un autre café, une clope, une douche, un café, une clope, tu sors. Il y a un point d'acupuncture juste sous le nez qui marche bien pour te stimuler aussi. Avant de te coucher aussi, tu bois de la flotte, tu vas pisser et tu rebois. Un truc avec du jus de citron, ça passe bien normalement. Ah, j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est trop bien. Je me réveille à 7h du mat et je prends un Doliprane. Ensuite, tu restes sous la douche chaude à peu près, je sais pas, 45 minutes. Tu prends une douche chaude au début, histoire de te machin, et bim, un coup de douche froide à la fin. Un bon remède, c'est du bicarbonate de sodium. Le fameux jus de bite. C'est vachement bon ça. Des aspirines. Du citrate de bétaïne. Des Alka-Seltzer. N'importe quel antivomitif. De l'eau et du sel. Et d'antioxydants. L'huile de feu de morue. Et sinon, c'est se frotter très très fort les dents. Un bon remède, de toute façon, déjà, c'est de pas travailler le lendemain. Ah bah, le matin, faut reprendre à boire. La moitié de ce que t'as bu la veille. Ou alors, c'est un petit pétard pour décompresser un peu de la gueule de bois. Je pense que tout est dit. J'essaye de devenir responsable. C'était une bonne gueule de bois.